Eh bien, salut tout le monde, c'est Rio. On se retrouve sur la chaîne NeoBank TV pour la seconde fois. Donc, on attaque le commentary sur un jeu du nom de Dead Island Repeated, en fait, qu'on peut trouver actuellement sur le PSN qui coûte, je crois, dans les 20 euros, il me semble. Pourquoi on fait ce test-là? En fait, tout simplement, on va tester le jeu, on va se pencher dessus. Parce que, comme pour certains, vous avez pu vous rendre compte, il y a un projet qui vient de naître qui s'appelle le NeoBank Z. Tout simplement Z pour le zombie. C'est un projet en fait qui est consacré uniquement aux zombies et qu'aux zombies, géré par des membres de la team, donc Valindia, Faisal et José. Donc ça va tourner autour du zombie à 100%, c'est-à-dire que ce soit du Call of Duty, que ça soit du Resident Evil, et j'en passe. En fait, ça va tourner vraiment que dans l'univers zombie. Donc là aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous ai dit, pour Dead Island Repeated. Comme c'est dans l'actualité et qu'il vient d'apparaître sur le PSN, justement, je voulais, je trouvais que c'était le jeu qu'il fallait pour faire la présentation du projet et en même temps pouvoir faire le test du jeu, quoi. Grosso modo. Alors là, on va démarrer le jeu. On lance directement. Toujours avec ma cigarette, comme vous pouvez le voir. Enfin, plutôt l'entendre. Voilà, on a ce jeu, Dead Island Repeated. Alors moi, à titre personnel, évidemment, le premier Dead Island, j'avais pas essayé, je me cache pas, j'avais pas testé le jeu. J'ai pas mal de potes qui m'en avaient parlé, qui m'ont dit que c'était vraiment trippant comme jeu, et que vraiment, c'était excellent. À titre personnel, j'avais jamais eu l'occasion d'essayer, donc du coup, là, je me lance dans l'aventure pour la première fois. Donc là, on regarde un petit peu les menus, donc je pense que tout le monde connaît. Trophées, défis... bon, des statistiques personnelles évidemment qui vont être à zéro parce que je suis tout neuf dans le jeu. Voilà les notes du docteur Kessler, ça doit être le cousin à docteur Richtofen. On va choisir un personnage, tiens, Logan, Lornin, Xian, Sambé. Ouais, je pense que je vais sélectionner le personnage de Logan pour la simple et bonne raison, pour faire honneur en fait à Wolverine, tout simplement, parce que j'adore ce personnage, et puis à Logan qui fait partie de la MB13, que je salue d'ailleurs, j'en profite pour le saluer. On va voir alors les styles de combat, les points de compétence, etc. Bon, je comprends rien, je vous le cache pas, je pense que c'est pas compliqué à s'y retrouver. Je vais les sélectionner. But everything had come crashing down. Damn it if I were. What did I learn from that? Niveau graphisme, ça a l'air vraiment pas mal du tout. On attend de voir directement quand on se retrouve dans le jeu pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est beau quand même. Donc voilà, bah, c'est une intro, mais c'est vraiment très très beau quand même. Je vais laisser une intro pour ceux qui connaissent pas le jeu, pour tout comme moi d'ailleurs, pour découvrir l'univers de Dead Island, de voir ce que ça donne. Ouais, des coquines. Voilà. C'est beau, c'est très beau quand même. Pour un jeu dans le style, moi je m'attends vraiment à un style comme à la bonne époque, dans le genre de House of the Dead, en fait, que j'adorais vraiment sur Barak. C'était vraiment excellent. Donc décidément, ils sont tous en bikini. Je pense retrouver le même style de jeu, beaucoup plus dans ce genre-là que Call of, et son mode zombie en fait. Donc on a pas mal de joueurs qui sont mordus, on va dire, du zombie. C'est beau quand même, ça fait peur quand même, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Je sais pas si le run du jeu sera pareil, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment, je trouve que c'est vraiment bien gore à souhait. Donc on va parler un petit peu quand même, on va pas perdre, parce que là depuis tout à l'heure je suis fixé sur l'intro, on va parler quand même de l'essentiel, on va parler du projet. Le projet en gros ça consiste à quoi? Comme vous savez, la team en elle-même c'est NeoBank 13, je pense qu'il faut le rougir. On a une chaîne YouTube qui se nomme NeoBank TV, d'ailleurs sur laquelle vous verrez la vidéo.
Nous avons pas mal de projets qui sont concrétisés, qui est le projet MB4Gaming. En fait, ça, c'est un projet vraiment qui consiste la compétition des joueurs, des certos, sniping et tout ça, qui est vraiment bonne évolution. Ça progresse chaque jour. D'ailleurs, j'en remercie mon équipier de départ, en fait, qui est Sauvage, simplement, grâce à qui on est là. Pour le For Gaming et pour la Team Manager, quoi, tout simplement. Donc je passe un coucou à Thomas. Là, l'intro qui... C'est vraiment très beau quand même, hein. Vraiment, j'apprécie. Pour le Neobank Z, en gros, ça va consister en quoi? Comme je vous ai dit, c'est du zombie, 100% zombie, c'est-à-dire tous les fans de zombies qu'on a dans la team, et même hors team, je veux dire justement, ils sont les bienvenus, parce que Valendia, il a mis un recrutement sur le forum Neobank 13, justement, vous tapez Neobank 13 sur Google et vous tombez directement sur le forum. Il a mis exact un tuto, un recrutement, il a tout mis, un descriptif, format, il s'est gavé, quoi. Il y a un grand chapeau à Valendia sur ça, qui est dans le projet avec Aizen et José. Aizen, pour les intimes qui viennent. D'ailleurs, en parlant d'Aizen, pensez à faire un saut sur sa chaîne qui vient de paraître, tout simplement. Ça va consister, en fait, à faire des tutos sur les programmes de craquage, les cracks, les logiciels et compagnie. C'est vraiment, je trouve qu'il a bien choisi la chose, parce que de toute façon ça lui correspond bien, et vous le verrez dans les partenaires network, et n'hésitez pas à vous abonner, à le soutenir, et d'ailleurs à soutenir tous nos partenaires qui sont dans les partenaires network. Et en tout cas, José, je te dis merde, et puis voilà, tu le sais. Donc là, on va attaquer le jeu. Donc pour le zombie, donc Neobank Z, donc on va avoir le temps de parler, parce que quand même il y a 40 minutes de gameplay, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Neobank Z, en fait, ouais, ça va consister vraiment du zombie, c'est-à-dire voilà, tous les joueurs, je veux dire, vont faire des grosses parties de zombies à Call of, et vous allez voir pas mal de tests de jeux dans le mode zombie, comme par exemple Dead Island, qu'on est en train de tester actuellement ensemble. Vous allez avoir le fameux Resident Evil 7 qui a été annoncé, vraiment monstrueux. Il était temps, parce que bon, il faut dire ce qui est, autant le 4, le passage, j'avais kiffé, il était vraiment excellent, le Resident Evil 4, mais autant le 5 et le 6 surtout, ça a été vraiment une catastrophe. Je trouve que ça a été une grande catastrophe, ils ont vraiment merdé Capcom à ce niveau-là, et justement ils ont annoncé que le 7 reviendrait aux sources, et vraiment j'ai hâte de voir, moi qui est vraiment un grand fan de Resident Evil à la base, j'ai vraiment hâte de voir. Donc là, on se retrouve dans les compétences du joueur. Donc là, je débloque, je crois que je vais tout débloquer là, tout simplement, parce que je comprends que dalle. Donc voilà, vos combats, survie, furie. Furie, je me demande à quoi ça consiste. On verra bien pendant le jeu. Voilà, Ryu 13 EG6, Logan. Ok, tac, XP. Ouais. Donc l'inventaire, il n'y a pas grand chose, rien même, tout simplement la quête non plus, carte non disponible, moi je suis à la ramasse pour total. Donc une chose qui me plaît souvent d'aller sur Revival Horror d'ailleurs, parce que j'adore être à la ramasse. Par exemple, quand je jouais dans Resident Evil, moi j'adorais jouer au couteau, quoi, vraiment me taper le jeu au couteau comme un dingue. Et d'ailleurs, vous allez voir de ma façon de jouer que je suis assez brusque et violent avec messieurs les zombies. Donc inventaire, quête, ouais, d'accord. Okay. Donc, comme vous pouvez voir, au début, je suis vraiment perdu, même si ça paraît tout bête. Voilà, je découvre, j'aime bien fouiller un peu, savoir tout ce qu'il peut y avoir et peut pas y avoir. Là, j'essaie même de sélectionner des trucs qu'on peut pas, donc génial, quoi. Au top, le Ryu. Et là, je me rends même pas compte, en fait, que je peux tout simplement tout sélectionner. Voilà. Tac, on va se lancer le jeu. On va pas tarder à lancer le jeu, comme il faut. On va attendre de se repérer. Voilà, hop là, ça y est, il a enfin compris qu'il fallait tout sélectionner, le monsieur. Alors c'est parti.
partie sortait de la cellule. Alors bon, déjà niveau graphisme, franchement, moi je trouve que ça donne très bien parce que on sent vraiment une ambiance glauque. Là je mets la lampe torche qui me sert absolument à rien pour l'instant. D'accord, j'essaie de désespérément sortir d'ici. Là je teste les boutons, donc coup de pied, coup de poing. Je me demande de quoi ça va me servir contre les zombies, mais bon, j'espère trouver une hache ou une machette ou quelque chose d'assez glauque. Ça peut être pas mal. Il a essayé de casser la porte. Malheureusement, je vais réaliser qu'en fait je suis en train de faire n'importe quoi et que la sortie est de l'autre côté, tout simplement. Là, j'essaie de voir la manivelle. Je suis vraiment désespérant là. J'essaie vraiment d'ouvrir la porte. Je teste le bouton, je saute, je me copie. Hop, on avance un peu et hop là, on trouve la sortie. Donc là, évidemment, au lieu de sortir, qu'est-ce que je fais? Je ferme la porte et je retourne en bas comme un imbécile. Voilà, génial. J'ai un grand moment de solitude. Là, c'est vraiment très très beau quoi. Là, on est dans un bateau, on démarre dans un bateau. Hop là, là, on peut rien faire. Non, l'univers, il est vraiment. Ça a l'air vraiment excellent. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des zombies, tout ça, des monstres et tout, et l'ambiance, surtout pendant les accrochades, on va dire. Tac. Inventaire. Je sais pas ce que je cherche encore. Ça, c'est bon. Hop là. On est prêt. Enfin, on est prêt. On va essayer. Je vous garantis rien. Là, je fouille un petit peu de partout, voir un petit peu ce qu'il y a. Ça permet aussi de, en même temps de tester la sensibilité du jeu en fait. Au niveau des du gameplay, justement, avoir une bonne sensi, quoi. Un peu comme du Call of, quoi, tout simplement. Là, apparemment, ça va pas. C'est bloqué. Je sais pas ce qui bloque la porte. Ouais, c'est des cartons, apparemment. Alors, on a la PC à côté. On va s'accroupir, on va passer. Je pense qu'il faut s'accroupir. Ouais, il faut s'accroupir. On passe en dessous, bon évidemment je me fais avoir. Tac. Non, il y a vraiment une bonne ambiance quoi, vraiment le jeu où il vous met vraiment dedans quoi. C'est je trouve que vraiment c'est le jeu du moment zombie à avoir, pour la simple bonne raison parce que dans ce style là, je vous parle pas en troisième personne, je vous parle en mode FPS comme ça. Je trouve que c'est excellent, surtout quand bon. Alors n'en veuillez pas les Call of du zombie. Moi personnellement je suis pas trop fan du mode zombie de Call of, je le cache pas, et j'avoue que Dead Island me plaît pas mal, me plaît beaucoup. Là déjà je dors parce que c'est tout sombre et on est obligé d'allumer la lampe torche et on sait pas ce qui peut nous sortir, et c'est ça que je kiffe. Et je trouve qu'il y a en fait on retrouve un petit peu l'ambiance d'un Dead Space justement, qui est vraiment glauque à souhait. Il y a vraiment on est sous tension tout simplement quand on joue, on est vraiment sous tension. Hop, il est dynamique en plus le jeu quoi, il est vraiment dynamique. On le sent au niveau des déplacements du personnage déjà. Là je sprint pas ni rien là, mais voilà, là je commence un petit peu à m'exciter. Comme vous pouvez voir, les graphismes sont vraiment beaux. Non, vraiment excellent. Sincèrement, vraiment excellent. Moi, je vous le conseille. Ça vaut 20 euros sur le PSN. Donc, je crois 21 euros et quelques, quoi, grosso modo. Je veux dire, sincèrement, quand on voit le prix des jeux qui sont dans les 70 euros, là, oulala, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord. Ça commence à péter de tous les côtés. Ça c'est la merde, excusez-moi le terme. Je pense qu'on va pas tarder à tomber sur des copains qui vont essayer de faire connaissance. Donc évidemment on va éviter les préliminaires avec les zombies. On va directement aller au fat. Hop, on descend. Ah ouais, comme on peut voir vraiment le déplacement et tout ça, vraiment l'ambiance est vraiment terrible quoi. Moi j'adore, en tout cas moi personnellement vraiment là, plus ça avance dans le jeu, plus vraiment je kiffe vraiment. Ouais, hop là, monte l'échelle. Les caméras elles sont vraiment dynamiques. Hein. Ah, vraiment. Bon, vraiment c'est... Je trouve que pour le prix que ça vaut,
se payer un jeu de ce calibre, voilà, moi je le recommande. Personnellement, je le recommande. Déjà l'ambiance. Dès le départ, là, si on se fait une séance enflammée, ça fait 25 minutes qu'on joue, donc on va commencer à donner des notes. Mais on va dire, dès le départ, si je devais donner une note au niveau du dynamisme, des dépassements de caméra, quoi, fait une gameplay, on va voir les deux sur le dos. Moi, je trouve vraiment. Je trouve frais ce jeu. Voilà, je trouve frais, je trouve que ça change. Je trouve que ça fait du bien, ça met un coup de neuf. Dans un genre qui. Pour moi, je pense que c'est le meilleur genre à explorer. Hop, il y a des copains. Donc on va aller faire un tour de suite. Bon, toi, dès qu'est-ce qui se passe, boum, allez, voilà, c'est parti. Bon, lui, il a pas l'air très violent. Ah, il y a une deuxième qui est arrivée. Ah ouais, d'accord, ok. Là, ça sent la merde. Ah voilà, ça sent la merde totale. Je me fais agresser. Hop. Et c'est parti. Voilà. Oulala. Délai de récupération, si c'est bon. Bon, déjà, ça commence mal. Bon, donc je suis pas habitué. J'ai un petit peu mélangé les pinceaux en fait avec les touches. Et on va tenter notre chance. Et cette fois-ci, je pense que le coup de pied va être d'une efficacité redoutable. Voilà, hop. Ouais, il est vraiment violent quoi. Regardez-moi ça, c'est vraiment excellent. En plus, si le type qui joue, il est un petit peu psychotique comme moi, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire qu'il prend un malin plaisir à tabasser les types par terre. Et les types pour les zombies, les méchants quoi. Ah ouais, c'est excellent. C'est vraiment du... Moi, je trouve que c'est du 100% arcade, en fait, ce jeu. C'est vraiment du 100% arcade. Regardez le dépassement des caméras et tout, c'est... Hop, il y en a un là-bas, on va aller le voir. Si j'arrive à passer, évidemment. Je pense que celui-là, on va lui faire une surprise. Voilà, hop. Il a pas compris ce qui est arrivé. La tête dans le sac. Mais j'arrive pas à l'avoir par terre, donc je vais finir avec le... du coup de pied. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il y a les bonus qui s'affichent et tout ça, bonus compétences et tout. Et je trouve que la façon dont ils ont fait ça, en fait, vraiment ça me rappelle du House of the Dead en version nouvelle génération. Quand enfin, nouvelle génération, on va passer aux nouvelles générations, mais vous m'avez compris ce que je voulais dire, c'est au niveau de la PlayStation 3, Xbox, voilà. Donc voilà, il est vraiment excellent. Là, je crois que j'ai trouvé des munitions, moi c'est un kit de survie, d'accord. Ouais, parce qu'évidemment j'ai pas d'armes, donc j'ai une pioche. Bon, je me sors plus de mon pied pour l'instant. La pioche. Je me lague vraiment de trouver une hache. Ah, j'ai une bête de baseball, on dirait. Oup là. Hop. Ouais. Ça va. Termine. Je sais pas si vous voyez un petit peu des lags ou la vidéo qui saute, ça évidemment ça m'aide pas ma foi. Faudrait dire merci au Elgato parce que des fois je pense que il y a des soucis. J'ai pu le remarquer aussi sur FIFA en fait. Il y a pas mal d'accélération, de ralentissement. Bon, je pense que c'est un rapport avec le moment de la capture, c'est un rapport avec la vitesse de connexion en fait. Je pense que c'est ça qui fait. Oups, c'est un petit peu le bazar là. Encore le bateau qui bouge dans tous les sens. Non, il est vraiment. Excellent. Donc déjà l'ambiance. Top niveau, je dirais. Comme dirait notre ami José, ça passe crème. Oula, oulala. Je crois qu'il a pas compris ce qui est arrivé. Et le pire, c'est que ça, c'est que je peux vous garantir, voilà, regardez ça, je commence à m'exciter. Plus vous avancez, plus il y a des ennemis, en fait, plus vous commencez vraiment à vous exciter sur la gueule des types, quoi. Et c'est le jeu qui veut ça, en fait. Il est vraiment, je trouve qu'il y a de l'adrénaline, il y a une ambiance. Vous pouvez entendre l'ambiance sonore aussi qui est avec. Tout est réuni vraiment pour prendre un gros kiff. Alors je sais pas s'il y a un mode multi, j'ai pas vu dans les menus de mode multi, je pense qu'il doit avoir un mode coopération. Qui peut être, je pense, terrible. Ça y est, c'est bon, il faut le laisser tranquille le monsieur. Il est fini. Ouais. Ah non, il est vraiment dynamique là. Boum, hop là. Ouais, il est mort, lui déjà, c'est bon. Ah, attention. Oulala, il m'a l'air énervé lui. Ouais, il est très costaud. Oula, il est énervé. Il ne broche pas en plus le type.
Ah bah voilà, coup de pied efficace. Alors le coup de pied, alors si je vous recommande une technique d'un Dead Island Repeated déjà au bout de 5 minutes de jeu, c'est le coup de pied, il est vraiment fatal. Là je crois qu'il est... Là aussi il a morflé. Là c'est vraiment excellent. Là il était vivant apparemment. Il est plus. Encore un. Faut pas laisser en fait, il faut vraiment les achever, il faut le rentrer dedans. Ah ouais, il faut c'est dans le temps quoi, limite j'ai envie de vous dire. Quitte à morfler un peu, mais le fait d'être agressif dans ce type de jeu, justement, c'est ça vous permet de... Bon déjà ça vous permet de kiffer plus, je trouve, moi à titre personnel le jeu, parce que... Vous êtes des frayeurs tout seul quoi, en gros, voilà. Et puis derrière voilà, ça vous met vraiment le jeu en lui-même est dynamique, certes, mais votre façon de jouer, si je trouve que dans ce jeu il est plus elle rentre dedans, plus elle est agressif, je pense que vous amusez beaucoup plus. En tout cas moi vous allez voir que voilà, c'est vraiment le début, donc je découvre encore petit à petit. Là c'est de voir comment configurer mes armes. Donc là j'ai une pêche en bois, j'ai un rouleau de pâtisserie, donc voilà. Et on va se faire un peu des millefeuilles, j'avais dû dire. Voilà, hop, c'est parti. Là, il en prend une couche aussi, monsieur. Allez, il est vraiment gore. Regardez la gueule du type, quoi. Fan juin 2. Ah, c'est vraiment excellent. Vraiment top. Là, je pourrais me faire un peu de minutes de jeu déjà. Là, je me sens un petit peu parce que il y a eu des dégâts juste avant. Là, enfin, on regarde plutôt bien. Finalement, je crois qu'il faut aller voir là-bas en fait. Voilà, hop, on se projette. Je suis un petit peu perdu, j'avoue. Hop. Ah, regardez-moi ça, il est vraiment, regardez, c'est... Ah ouais, dépassé. Oulala, je me retrouve face à trois adversaires. Ben voilà, encore je fais avance. Je suis infecté. Voilà. Là ça castagne. Mais je crois que je me fais avoir. Hop, non, ça va. On est toujours là. On y croit. Là j'ai essayé de fuir mes ennemis parce que j'étais mal quand même. J'espère qu'ils sont pas très près de moi derrière. À moins qu'ils arrivent très vite. Et oui, ils arrivent très vite, putain. Oulala. Hop. Lui il est fini, et ce qu'on va faire, on va fermer la porte. Et puis ses copains ils peuvent pas rejoindre, donc on va la massacrer en tête à tête. Et là c'est un véritable massacre. Bon je crois qu'il tous ses membres ont été découpés en morceaux. En plus on récupère un petit peu de l'argent. Donc l'argent je pense que ça va nous servir plus tard dans le jeu pour au niveau des accessoires et tout ça, je pense pour booster les armes et tout, un petit peu comme on a pu voir dans Tomb Raider, même si c'est pas du tout la même chose, mais en tout cas là, avec Lara on pouvait booster ses armes et augmenter leurs compétences. Donc on va essayer d'avoir une canette, évidemment pas possible. Là il ne se passe rien. Là check, on va ramasser. Hop là, d'accord, j'ai ramassé une feuille de bambou. Ouais, comment ça s'appelle ça déjà, je m'en rappelle plus. C'est Kaifone Kata, vous savez, dans les arts martiaux. Putain, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai un gros bug là. Oh là là, je m'en rappelle plus. Non, c'est pas ça. Bon, bref, de toute façon, on verra plus tard. On n'est pas là pour parler des samouraïs ou de Soul Calibur. Donc là, non, là, vraiment grosse ambiance. Ouais, moi, je vous recommande. Plus le jeu, vous avancez dedans, plus il devient trippant. Vraiment excellent. Je pense que j'ai dû dire vraiment au moins 1000 fois depuis le début de la vidéo, mais parce que je trouve vraiment, une fois de plus, qu'il est excellent. Je m'éclate, tout simplement. Là, je pense qu'on va remonter en haut. On va regarder un petit peu, ouais. Malheureusement, j'ai pas de carte. Donc, on va un petit peu utiliser le système des merdes. Voilà, on retourne en haut. On va voir ce qui se passe de l'autre côté. Je pense que j'ai dû louper quelque chose.
Vous avez une carte évidemment qui, je me rends compte en fait plus tard en amenant le jeu, vous avez une carte en bas qui fait la carte, j'avais remarqué, je dis pas que j'avais pas remarqué la carte, mais en fait vous avez des, sur la carte il vous indique en fait à combien de distance vous êtes de votre objectif, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, en fait je suis revenu là où j'étais, tout simplement. Là je pense que je suis en bonne voie. Voilà, c'est Dead Island Repeated, il est vraiment au top. Je trouve vraiment que les jeux à 20€ sur le PSN, et quand vous voyez la qualité graphique, vous voyez l'ambiance qu'il y a, le niveau gameplay, je vous dis vraiment, c'est... là je suis vraiment en train de m'éclater tout simplement, c'est trippant. Oulala, il est énervé, lui il va rien comprendre. Boum boum, allez c'est parti. Allez mon grand, on va se calmer. Tu as trop confiance en toi. Et ça, c'est bien dommage. Là, un petit bug. Ça, c'est grâce au Elgato. Voilà. Je suis pas souci que je suis un petit peu pas au top au niveau de l'utilisation de l'Elgato pour l'instant. Comme voilà, comme vous savez, c'est tout nouveau, donc je pense qu'il y a pas mal de programmation que je peux faire dessus que j'ai pas encore fait parce que bon, oula ça arrive, là c'est chaud, vraiment chaud, c'est trop autour de moi qui me fausse dessus. Voilà, bien, il est terminé, on va terminer le second. Oulala, voilà, là j'ai trouvé l'arme de mes rêves, une hache. On va pouvoir enfin les prendre un coup de hache et ça c'est vraiment excellent. Et boum mon grand, ouais, dans les jambes, tu as rien compris. Coucher le mur. On récupère le pognon. On avance un petit peu. On regarde, on va essayer de voir s'il n'y a pas des bonus à pouvoir récupérer. Oui, non. Non, parce qu'en fait, j'essaie de taper NeoBank TV là, sur l'ordinateur pour visionner YouTube, ce serait pas mal ça. Dans le jeu directement, je déconne. Non. Tac. Ah, oh, c'est vraiment chaud. Oh, on vient de la compagnie. Ah voilà. Il a réussi à me placer. C'est un petit peu le bordel. Je suis en train de me faire avoir. C'est vraiment chaud là. Ah ouais, voilà, c'est vraiment chaud. Je sais pas comment je vais réussir à m'en sortir. Voilà, il manque un bras déjà et il continue à me tabasser avec l'autre. Voilà, c'est fini. Il est terminé. On va le terminer au sol. Allez hop. On va le terminer au sol. Elle est vraiment gore à souhait. On récupère un petit peu le secours. Attention, j'attends quelqu'un. Je sais pas pourquoi, je sais qu'il y a quelque chose. Ah, voilà, derrière moi. Allez, hop. Un massacre. Un véritable massacre. Ah, ça fait vraiment du bien de jouer à un jeu comme ça. Un peu surtout qu'avec les Resident, les Resident là, qui sont sortis récemment, les Chronicles. Tout la pique là, tout ça, pas à la troisième personne mais en mode Dead Island et Call of quoi. Je les trouve vraiment pourris quoi. Je dis honnêtement, le Resident, je les trouve vraiment dégueulasse. Là, on a de la compagnie d'entrée, lui il a pas compris. Voilà. Bon. Mais écoutez. C'était Dead Island Repeated, Ryu, rendez-vous sur NeoBank TV pour une prochaine vidéo. Note globale pour Dead Island Repeated, à titre personnel, je lui mets une 17 sur 20 pour vraiment café crème, comme dirait José. A bientôt. Ciao, ciao.
enslave them here, they're civilians. If I were you, I'd worry about your own survival, Colonel. Sam, up! Yurt, get up here! Captain, come in! Captain's dead, soldier. Fuck! Come!